Alors, est-ce que je suis bien dans le cadre? Ça a l'air d'être le cas. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 15 juillet 2021. Il y a quelques jours de ça, c'était quand? Le 13 juillet 2021, j'ai fait une vidéo qui s'intitule « Edgar Morin, la pensée mutilante, Zemmour slash le progrès », dans laquelle j'utilisais la pensée d'Edgar Morin pour critiquer la pensée mutilante d'Éric Zemmour et aussi le fait qu'on pense à tort que le progrès, ce n'est que le progrès technique, mais cette partie-là, je la laisse de côté. Et donc, sur la partie Zemmour, ça a fait réagir, ça vous a fait réagir, et notamment Ludovic Godin et Matteo, à qui je vais répondre dans cette vidéo, par cette vidéo. Je vous remercie à tous les deux pour vos contributions. On n'est pas d'accord sur Zemmour, et puis sur ce qu'il raconte, et puis les sujets affiliés. J'ai commencé à vous répondre par l'écrit, mais je me suis dit que c'était intéressant d'en faire une vidéo qui s'adresse à plus de monde et pas seulement à vous deux, parce que dans votre argumentaire, enfin, votre argumentaire, c'est l'argumentaire récurrent à chaque fois que j'aborde ces sujets, ça va être systématiquement toujours les mêmes argumentaires. Donc, je pense que d'une part, ça provient d'un formatage de la pensée, notamment par Zemmour, mais pas seulement, etc. Mais aussi, voilà, en tout cas, c'est une réalité dans l'esprit de beaucoup de gens. Donc ça me permet, à travers la réponse que je vous fais spécifiquement à tous les deux, de répondre au-delà à toutes les personnes qui ont ce genre d'argumentaire, ou en tout cas de pensée, comme j'ai pu le voir de nombreuses fois par le passé et certainement encore à l'avenir. Alors, ce que je vais faire pour à la fois pour tous les deux, mais aussi pour remettre du contexte par rapport aux gens qui ne connaîtraient pas notre échange sous la vidéo, donc Edgar Morin, la pensée mutilante, Zemmour, le progrès que je remets en lien ici. Je vais commencer d'abord par lire vos commentaires, c'est ce que je fais habituellement, et ensuite je répondrai. Alors cette vidéo va être longue parce que les commentaires sont argumentés, vos commentaires sont argumentés, ma réponse sera argumentée, donc je vous prie de m'en excuser ou d'être patient, mais quand il y a du fond, forcément il y a la nécessité d'un temps long. Donc je commence. Ludovic dit « Yop, alors tu te trompes, je t'explique pourquoi si t'es ouvert. Zemmour ne veut pas que la France soit un vase clos, entre guillemets. Il veut que le peuple français soit à nouveau fier de l'être, au lieu de passer son temps à courber les chines. Il n'a jamais parlé d'une France repliée sur elle-même. Que du contraire. Il a toujours été conscient des rapports de force existants entre les nations, plus les conflits d'intérêts. Il ne cesse de le répéter. Je ne comprends pas comment tu peux passer à côté de ça. » Si l'Afrique a encore des régions soumises à l'Occident, c'est parce qu'elle est mal dirigée. Cela, tu le dis. Par contre, ce n'est pas notre, entre guillemets, faute à nous les petits. C'est aux Africains de régler ce problème en coupant les têtes de leurs rois, entre guillemets. Au sens figuré, faut-il le préciser. Ne jouons pas les Américains à se mêler de choses qui ne nous regardent pas et dont nous ignorons probablement une grosse partie des informations. Je ne sais plus qui a dit ça, deux points ouvrez les guillemets, pour qu'un peuple soit colonisé, il doit être colonisable, fermez les guillemets. Mais en tout cas, c'est vrai. Il ne faut jamais oublier qu'absolument tout dans ce monde est régi par la loi des rapports de force, qui est une loi naturelle et universelle. C'est même valable pour nous, qui nous faisons coloniser petit à petit. Entre guillemets, fraternité globale. Tu remontes ça à l'universel, mais ça n'engage que toi. Désolé, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord avec l'envie de fraterniser avec d'autres nations. Sachant que mes intérêts ne sont pas les mêmes qu'eux, je n'ai pas envie de leur faire de cadeaux, tout comme ils m'en feront pas. C'est naïf de croire que ça va se passer comme ça. Sans doute notre héritage chrétien qui nous amène à penser comme ça. Il a été condamné, ici on parle d'Éric Zemmour, entre guillemets, d'incitation à la haine raciale, certes, mais par qui? Par ses opposants. Les juges sont politisés et ont perdu leur neutralité. Où vois-tu que les procès sont équitables? Tu crois qu'un politique va être jugé pareil qu'un petit? Par conséquent, cette condamnation n'a aucune valeur. Pas plus qu'un gars qui traite un autre de raciste ou de fasciste, car il n'a pas d'argument à apporter. Le terme, ouvrez les guillemets, incitation à la haine, est purement subjectif. Aucune loi ne décrit clairement ce que c'est. Est-ce que dire que la plupart des trafiquants est une incitation à la haine? J'ai pas compris ce passage. Si c'est la réalité, un fait mesurable et observable. Comment le dire autrement? Est-ce que pour être non inquiété par la justice, il ne faut pas dire la vérité, donc on se laisse bouffer en PLS comme un lapin qui fait le mort devant un loup? Donc voici pour le premier commentaire de Ludovic, auquel j'ai répondu et auquel il m'a répondu par la suite. Donc je ne vais pas lire ma réponse parce que sinon ça va être trop long tout ça. Mais pour que vous compreniez la réponse qu'il a faite à la réponse écrite que je lui ai faite, je vais quand même vous dire succinctement ce que je lui dis. Je lui disais que nous sommes, nous Français, en tant que peuple,
responsable du mal que font nos élites, d'une part directement en votant pour des gens comme Sarkozy, Hollande et Macron, qui sont la perpétuation de la France-Afrique, de la politique de la France-Afrique, et nous sommes aussi responsables indirectement quand on laisse des gens comme Vincent Bolloré continuer de piller les ressources africaines, de corrompre les élites, etc. Je vous dis ceci parce que c'est là-dessus qu'il va me répondre. Mais putain, mais... C'est chiant, où est-ce qu'il est fou les commentaires, ce putain de YouTube de merde. Désolé, je me suis interrompu pour le déjeuner. Je trouve plus le commentaire de Ludovic, le deuxième commentaire, mais je l'ai en email, en courriel, donc je vais vous le lire à partir de mon courriel. On n'est pas responsable de l'élection de Sarkozy ou même de n'importe qui d'autre. La liste des candidats est biaisée au départ. Si tu as dans une liste de candidats A, B, C, D et E qui ont tous des programmes aux antipodes de ce que tu souhaites et qu'en plus ils ne respectent pas ce qu'ils ont promis, en quoi on peut être responsable de cela? C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a une telle abstention. Les gens ne se reconnaissent plus en la politique, j'imagine. Les politiques ne font rien dans notre intérêt. J'imagine que c'est ce que tu as voulu dire. Que peut-on faire d'autre pour rester dans l'esprit républicain à part s'abstenir ou voter blanc? Au final, le train continue d'avancer « sans nous », entre guillemets, alors que nous, entre guillemets, souhaitons qu'il s'arrête et change de direction une bonne fois pour toutes. Si tu poses la question aux Français dans la rue, il n'y en a pas un qui va te dire que c'est super que les gouvernements ont été foutre la merde en Afrique. Moi-même qui, honnêtement, n'en a rien à faire de l'Afrique, ce qui compte, c'est l'Europe, entre parenthèses, occidentale. Je respecte leur territoire, ils respectent le mien, et comme ça, on est des bons voisins, le début d'une bonne relation d'échange avec de l'entraide si nécessaire. Donc voilà, ça c'est pour la deuxième réponse de Ludovic. Je te remercie pour cette réponse qui est argumentée, construite et respectueuse, ce qui n'est pas négligeable. Mais alors justement, Ludovic, si tu dis qu'on n'est pas responsable parce que dès le départ des élections, la donne est truquée, de la même façon, alors, les peuples africains en question, il ne s'agit pas de toute l'Afrique, là je fais une généralité, mais bon bref, ne sont pas non plus responsables du coup. Parce qu'on peut transposer l'oligarchie française à l'oligarchie de certains pays africains qui est biaisé dès le départ, qui triche sur les règles, etc. pour se maintenir en place. Donc, si on a cette logique de pensée, ce qui n'est pas la mienne, alors ni les Français ne sont responsables des agissements et de l'oligarchie qui est en place chez nous, ni les Africains dans les pays concernés ne le sont autant. Or, j'estime que nous avons, nous Français, et puis l'humanité en général, mais concentrons-nous d'abord sur notre cas, nous, Français, en tant que peuple, la responsabilité de l'oligarchie qui nous domine. C'est d'autant plus vrai que nous avons fait la révolution. C'est bien qu'on voulait se défaire de l'oligarchie d'alors, c'est-à-dire la monarchie, le clergé et les soldats, tout ça. Et donc nous avons pris notre responsabilité en leur coupant la tête, puisque tu parlais de ça à juste titre, et si les Africains veulent couper la tête de leur élite, ça ne me regarde pas, je m'en fous. Puisque nous l'avons fait, j'ai aucune leçon à leur donner là-dessus, mais en tout cas, voilà, c'est bien prendre ses responsabilités que faire la révolution pour dégager la domination quelle qu'elle soit, en général une oligarchie, pour prendre son destin en main. Donc c'est là-dessus que je dis que nous, en tant que Français, nous avons la responsabilité de dégager l'oligarchie actuelle, que ce soit par l'élection ou par, je sais pas, par d'autres moyens, peut-être au final la violence, parce que la violence est légitime quand il s'agit d'autodéfense, j'en ai fait une vidéo, et dans la Constitution, il est dit qu'un peuple qui est opprimé a le droit et le devoir de s'insurger, donc voilà. Mais tout ceci est bien affaire de responsabilité. Et le fait qu'on soit dans l'apathie, ce n'est pas de notre seule responsabilité. Nous, le peuple français, évidemment, les médias, dont Éric Zemmour en réalité, contribuent à l'apathie, à la diversion, à toutes ces choses qui atomisent la société. D'accord, la stratégie de l'oligarchie, c'est d'atomiser. Ils n'en ont rien à foutre, en réalité, des musulmans et des non-musulmans, des noirs, des blancs, des femmes, etc. Pour eux, ils joueront sur tous les tableaux, quels qu'ils soient, tant que ça atomise la société, tant que ça divise les Français entre eux. Peu importe sur quel niveau, d'ailleurs, ils le font sur tous les niveaux, mais il s'agit d'une stratégie. Donc, tomber dans le panneau d'un Éric Zemmour qui, consciemment ou inconsciemment, je pense que c'est plutôt inconsciemment, mais qui est l'outil de cette oligarchie, puisque, comme je te l'ai dit dans le commentaire, en réalité, Éric Zemmour est employé de Bolloré. Bolloré, qui a des activités illégales en Afrique, puisqu'il est, il y a un procès actuellement contre lui, pour lequel il plaide coupable en essayant de se sortir d'affaires, etc. Donc, premièrement, il y a ça. Deuxièmement, Bolloré, ou tous ces gens surpuissants, surriches, etc., contribuent aussi à ce que tu dis, c'est-à-dire de falsifier
l'élection en proposant que des candidats interchangeables qui, de toute façon, feront la même politique. Donc c'est bien ce même groupe de personnes, Bolloré et tous les autres, qui ont des intérêts de domination en France, en truquant les élections présidentielles notamment, lobby, etc., ainsi qu'en Afrique, et dans d'autres pays dans le monde certainement, mais en particulier en Afrique, où ils utilisent aussi des stratégies de division, de domination, de corruption, etc. Donc il ne faut pas tomber dans ce piège de la division, parce que la force du peuple français, en Afrique c'est pareil, mais ici je me concentre pour nous, c'est le nombre, d'accord ? On n'a pas la finance, on n'a pas les médias, on n'a pas les armes, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, mais on a le nombre. Donc ça, l'oligarchie qui est en face, ils l'ont bien compris. Donc qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent empêcher que la coagulation du peuple, que le nombre se fasse, la cohésion, l'union se fasse, parce qu'ils savent que la force, c'est, notre force, c'est le nombre, et que là, on pourrait, si on était unis, même si on n'est pas d'accord après sur comment organiser la politique, mais si on était unis, on pourrait, par la masse, même sans forcément utiliser la violence, mais par la masse, on pourrait les dégager. Donc c'est en ça que je dis que nous avons une responsabilité. Ou alors, si on reste sur la position, mais en fait on est manipulé, et en fait tout est truqué, et on ne peut pas réellement arriver au pouvoir, donc déjà c'est défaitiste, me semble-t-il. Et deuxièmement, alors si ça s'applique aux Français, alors ça s'applique aussi au peuple africain concerné. Pourquoi ça s'appliquerait pas à eux ? Et tu disais dans le premier commentaire que pour qu'un peuple soit dominé, il faut qu'il soit dominable. Eh bien, les Français sont dominés par l'oligarchie française, et en réalité européenne, et en réalité américaine, etc. Donc tous les peuples, en réalité, sont dominables. Il n'y a pas de... C'est... Encore une fois, c'est essayer de rendre coupable, responsable, la victime, que nous sommes, nous les Français ou Africains, etc., du mal qu'on lui fait, parce qu'il serait trop faible. Non, il faut comprendre qu'il y a des enjeux, il y a des dominations, il y a des systèmes, etc., qui sont puissants, contre lesquels il faut s'insurger, évidemment, mais ce n'est pas en rendant responsable tel ou tel peuple, en le pointant du doigt, en disant « ben, t'es faible, c'est bien fait pour ta gueule, voilà ce qui t'arrive, et ben alors c'est pareil pour nous ». Et moi, j'ai pas voté ni pour Sarkozy, ni pour Hollande, ni pour Macron, et ce genre de bonhomme-là. Donc, je pourrais dire, ben, du coup, moi je suis pas responsable, moi je fais que voter contre ces gens-là, faire des efforts, etc., de conscientisation à mon humble niveau, etc., donc je suis pas responsable. Non, je me mets dans le lot des Français, je suis autant responsable que les autres, même si j'essaye, moi, de faire mes petits efforts à mon niveau, et toi peut-être à ton niveau, alors que malheureusement, certains de nos compatriotes préfèrent regarder Netflix ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, voilà, on est collectivement responsable. Je ne vais pas dire, moi je fais ce qu'il faut, donc je ne suis pas responsable, et c'est vous les autres endormis qui êtes responsables. Ma part de responsabilité, c'est de ne pas arriver à convaincre, à trouver le moyen de communication, ou que sais-je, qui sera efficace pour parler au plus grand nombre. Je m'évertue, j'essaye, mais voilà. En tout cas, j'ai aussi une part de responsabilité. Je pense que nous avons collectivement une part de responsabilité dans la situation en France, et les Africains dans la situation africaine. Et avoir une part de responsabilité, c'est bien ce que ça veut dire. On n'est pas uniquement responsable. Évidemment que l'oligarchie et les sous-couches que sont les médias, etc., ont aussi leur part de responsabilité. C'est pour ça que je parle de part de responsabilité, d'accord ? J'espère que je suis clair là-dessus. Après, quand tu dis qu'il y a de l'abstention parce que les gens ne se reconnaissent plus dans la politique, évidemment, je suis d'accord avec toi, l'abstention, c'est pas simplement d'en avoir rien à foutre de la politique, c'est avoir compris que le jeu est truqué, et que donc ça sert à rien, pour une certaine logique de pensée, d'y participer. Moi, je pense que c'est en partie vrai, et que peut-être que par un détournement massif des institutions, de l'oligarchie, pour le dire en bref, nous pourrions peut-être tracer une autre voie, mais comme ils détiennent les infrastructures, en premier desquelles la création monétaire, je vois pas comment on fait pour tracer une autre voie en parallèle de l'oligarchie, de tout ce qu'ils possèdent, de toutes les mainmises qu'ils ont sur les structures de la société. Comment on fait pour tracer une autre société ? Je dis pas que c'est impossible, hein, ça peut être une voie à explorer. Mais ma stratégie à moi, même si je respecte la stratégie de l'abstention, si elle est réfléchie dans le sens de tracer une autre voie, pas simplement de s'abstenir, parce qu'en réalité, l'oligarchie, ils sont bien contents qu'il y ait de plus en plus, enfin, qu'il y ait une abstention massive, et ils se maintiendront même avec 5% de votants, d'accord, d'électeurs. Eux, ils veulent qu'on se détourne de la politique, qu'on ne comprenne pas que la politique, c'est l'organisation de la société, et qu'on croit que la politique, c'est ce qu'ils font, ces jeux de marionnettes, de communication, etc. Mais donc, moi, ma stratégie, c'est d'utiliser toutes les moyens possibles, dont l'élection,
pour essayer de renverser la table. Pas seulement l'élection, d'accord, mais aussi l'élection. Et peut-être que des gens qui partagent ton idée ont la même stratégie en pensant voter peut-être pour Marine Le Pen ou peut-être Éric Zemmour s'il se présente. Donc voilà. Mais sinon, je partage ton analyse que les politiques, alors pas tous les politiciens, d'accord, mais en tout cas ceux qui sont interchangeables mandat après mandat, font en réalité la même politique. Le train qui continue, le train néolibéral ou capitaliste, je préfère l'appeler, qui continue à avancer indépendamment de nos besoins et de nos difficultés. Rebonjour, nous sommes déjà le 17 juillet, j'ai toujours pas fini cette vidéo, désolé Ludovic et Mathéo, je vais commencer à répondre à Mathéo, j'espère dans pas trop longtemps, mais d'abord je finis avec à répondre à Ludovic, désolé, à boulot, famille, tout ça. Donc ce que j'essaye de te dire aussi Ludovic, c'est que je pense plutôt inconsciemment, Éric Zemmour est l'outil, c'est-à-dire que lui, Éric Zemmour, il a ses idées, d'accord ? Mais l'oligarchie qui est derrière, Bolloré qui est son employé au travers de CNews, etc. Mais c'est pas que Bolloré, là je fais que parler de Bolloré, mais c'est pas que Bolloré, d'accord, c'est les riches, les ultra-riches, tout ça. Ils utilisent des gens comme Éric Zemmour. Pourquoi ils utilisent Éric Zemmour rapidement d'abord là-dessus. Parce que Éric Zemmour a du talent, et un talent d'orateur, un talent de storyteller, c'est-à-dire il est bon pour raconter des trucs, etc. Et il y a aussi une démarche authentique dans sa perspective à lui, d'accord. Donc ça, ce sont des choses qui transparaissent. Et donc, il y a de l'empathie, vous avez de l'empathie avec le discours d'Éric Zemmour. Et puis, ça fait certainement écho aussi à une réalité pour vous, etc. Mais donc, voilà. Éric Zemmour, lui, il a son truc à lui. Mais derrière, l'oligarchie utilise Éric Zemmour parce que il est authentique, il y croit dur comme fer à ce qu'il dit, etc. Et il est bon pour le faire, etc. Mais eux, leur stratégie derrière, c'est ils n'en ont rien à foutre de ce qu'ils pensent en vérité, Éric Zemmour. Si demain le vent tourne et qu'il faut être plutôt de tel côté, Éric Zemmour, bye bye, on en prendra un autre, voilà. Donc eux, derrière, ce qu'ils veulent, c'est simplement utiliser n'importe quel outil du moment qui répond à la stratégie d'atomisation du peuple français, d'accord. Et quand on écoute le discours d'Éric Zemmour, c'est ça, musulmans contre non-musulmans, blancs contre noirs, femmes féministes contre non-féministes ou contre tous les hommes, etc., etc. Enfin, c'est ça, c'est vraiment divisé, et au final, j'ai l'impression que ça crée une minorité qui comme elle est en minorité, se sent agressée sans qu'elle perde son pouvoir, et cette minorité, c'est l'homme blanc, peut-être chrétien, ou je ne sais quoi, un peu traditionnaliste d'esprit, etc. Et il se dit, mais je suis attaqué de toutes parts, les féministes d'un côté, les musulmans, les... Et donc, ça réduit la société, enfin, ce groupe-là de la société, à un petit atome, qui devient, du coup, hargneux, parce qu'il se sent oppressé de tous les côtés. Mais ça, c'est une histoire que l'on raconte. Je dis pas qu'il y a pas des réalités, des problèmes sur l'immigration, des problèmes sur un islam rigoriste, etc., des problèmes avec une certaine hystérisation du féminisme par certaines personnes, etc. Bien sûr, il y a toutes ces... Il y a des bases de réalité, mais pour qu'il y ait mensonge et pour qu'il y ait construction, il faut qu'il y ait des bases de réalité pour que ça fasse plus vrai. Donc je pense que simplement, Éric Zemmour, lui, il pousse le bouchon beaucoup plus loin, etc., et que ça devient, voilà, pour peut-être des gens comme toi et Mathéo, ça donne l'impression, voilà, d'être oppressé, opprimé par quelque chose de plus en plus important, alors qu'effectivement nous sommes opprimés et oppressés de façon de plus en plus importante, mais pas par ce qu'on croit. Là, il y a un détournement de la réalité. Ceux qui oppriment le peuple français, qui sont en train de détruire le modèle social français et par conséquent la culture française et tout ça, bon, il y a d'une part le soft power américain, comme je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais en fait, c'est cette oligarchie. Et cette oligarchie, qu'elle soit française ou d'ailleurs, elle est internationaliste. Elle n'a rien à foutre des frontières et de tous ces trucs-là. Eux, ce qu'ils veulent, voilà, c'est délocalisation, compétition entre tous les peuples, pas de barrières, etc. D'accord ? Donc, les véritables ennemis, ils sont là. C'est eux qu'il faut dégager en premier pour qu'ensuite, toi et moi, si on n'est pas du même côté de la barrière politique, on va dire, toi peut-être à droite, moi peut-être à gauche ou des trucs comme ça, après, une fois qu'on aura pris, nous, les Français, le pouvoir, parce que là, on est dans l'impuissance politique, donc on fait que s'insulter ou je sais pas quoi,
être en désaccord, se chamailler, alors qu'en fait, de toute façon, ça ne sert à rien du tout, parce qu'on n'a pas de décision politique. Donc, numéro un, dégager l'oligarchie, prendre le pouvoir politique, l'organisation de la société, et là, il faudra passer par des référendums, il faudra passer par des grands discours de points de vue différents, etc., pour que les Français puissent faire une opinion. Et moi, je suis contre la peine de mort, pour prendre cet exemple qu'on n'arrête pas de reprendre à chaque fois, mais s'il y a une majorité de Français, après avoir fait ce travail d'éducation, d'argumentation, contre-argumentation, qui, au travers d'un référendum, au bout de 6 mois ou je sais pas quoi, dit « Eh ben non, il y a une majorité de Français pour dire qu'il faut la peine de mort », et ben voilà, je suis obligé d'aller dans le sens de la majorité, même si je suis pas d'accord et que je continuerai à essayer de faire valoir mon bout de gras, et pareil sur l'immigration, et pareil sur tous les sujets, voilà. Mais il ne faut pas se tromper d'ennemi au départ. L'ennemi, ce n'est pas le français musulman ou le français noir ou la féministe, etc., etc. Ça, c'est de la division au sein du peuple pour pouvoir mieux régner, diviser pour mieux régner, d'accord ? Donc, j'ai des choses à dire sur Éric Zemmour, je ne suis pas d'accord avec lui, mais la réalité, c'est que Éric Zemmour, inconsciemment probablement, ou peut-être consciemment, j'en sais rien du tout, est l'outil de la division des Français. Et j'espère que si tu fais l'analyse de son discours et peut-être de la situation psychologique ou je sais pas quoi, je suis pas en train de psychologiser ou dire que t'es un fou, mais essaye de voir, est-ce que tu te sens pas justement oppressé, ah oui, les féministes, blablabla, ceci, cela, j'en sais rien, je te pose la question, c'est à toi de voir là-dessus, est-ce que tu te sens pas justement être un noyau de plus en plus restreint, et donc est-ce que ça veut pas dire qu'il y a véritablement une atomisation comme ça de chaque groupe? Parce que très certainement, les musulmans, de leur côté aussi, ils se sentent aussi « Oh là là, on est de plus en plus rejetés par tous », et peut-être que les féministes aussi « Oh là là, voilà, chacun de son côté, on se sent atomisé, réduit à peau de chagrin, et donc on se sent obligé d'avoir un verbe plus haut et peut-être de rentrer dans l'insulte », alors qu'en réalité, le fond du problème, c'est qu'on n'a aucune puissance politique. Donc on est brinque-ballé, je vais y arriver, de droite ou de gauche, par des orateurs et derrière, qui sont des marionnettes, et derrière eux, une oligarchie. Voilà. Par contre, je voulais dire aussi réagir à la dernière partie de ta réponse. Quand tu dis « Je respecte leur territoire, ils respectent le mien, et comme ça, on est des bons voisins, le début d'une bonne relation d'échange, avec de l'entraide si nécessaire. » Moi, je suis complètement d'accord là-dessus, t'imagines bien. Donc, les bonnes bases de voisinage, c'est d'abord empêcher nos élites, je dis élites, mais il faut mettre d'énormes guillemets, d'arrêter d'aller foutre la merde là-bas, numéro un, instaurer une véritable démocratie en France, et puis dans un deuxième temps, ça ne va pas régler tous les problèmes évidemment, mais j'espère que c'est le début d'un grand changement, et puis dans un deuxième temps, il faudra nécessairement apporter ou proposer de l'aide, parce que je suis d'accord avec toi, je suis pas pour l'ingérence à l'américaine, on va vous apporter la démocratie. La France n'apportera jamais la démocratie dans aucun pays, ni africain, ni le reste. La démocratie, ça se gagne par le peuple concerné, d'accord ? Mais pourquoi je dis qu'il faudra proposer de l'aide ? Parce que justement, pour que ces gens-là, quand je dis « on », je nous inclus dans le groupe de Français, et en réalité, il faudrait que je parle de cette pseudo-élite oligarchie, si tu préfères, d'accord ? Mais pendant des décennies, cette oligarchie-là qui nous domine et qui les domine a puisé leurs ressources, volé leurs ressources, les a empêchés de se développer. Donc les bien formés, les bien pensants, pas les bien pensants, mais je veux dire les intelligents, etc., ils ont fui ces pays-là pour aller aux États-Unis ou en Europe, etc., avoir une meilleure situation, ce qui est tout à fait naturel. Et donc la fuite des cerveaux a aussi contribué au fait que certains de ces pays sont encore dans le marasme. Il y a tout un tas de conséquences, d'accord, à cette domination. Donc voilà, c'est pour ça que du coup, peuple français, nous avons une certaine responsabilité, si tu veux pas l'entendre comme ça, c'est dommage, mais ok, au moins, si on considère qu'on n'a pas de responsabilité, d'accord, je mets ça de côté, on a en tout cas un intérêt, ne serait-ce qu'un intérêt égoïste, à faire en sorte que, puisque historiquement, il y a eu comme ça une fuite de ces pays, des gens de ces pays vers l'Europe et vers la France, à cause des colonies, etc., etc., à cause de la proximité géographique, etc., eh bien, l'intérêt même égoïste des Français, c'est de contribuer à faire qu'il n'y ait plus besoin pour ces gens-là de migrer. J'ai fait deux vidéos sur l'immigration. Je pense que je le dis très rapidement, mais je te renvoie à ces vidéos si ça t'intéresse. Il y a deux types d'immigration. L'immigration choisie. Moi, par exemple, je vis au Japon. J'ai choisi de venir parce que j'ai rencontré mon épouse, blablabla, machin. Et l'immigration forcée. L'immigration forcée, c'est tu trouves pas de boulot, c'est la merde, c'est instable politiquement, voire il y a la guerre, c'est la famine, etc. Tu te casses, t'es obligé, quoi.
Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est proposer. S'ils ne veulent pas de notre aide, on ne va pas obliger. Mais si, putain, on va vous apporter la démocratie. Non, d'accord, évidemment. Mais en tout cas, proposer notre aide en disant, voilà, on peut faire des échanges au niveau scolaire, etc., que vous appreniez les techniques, etc., qui vous permettent de faire de l'agriculture, de faire de l'industrie ou tout ce dont vous avez besoin pour vous développer chez vous. Et donc, tarir les raisons de l'immigration. Et il ne restera que l'immigration choisie. Peut-être que tu ne seras pas d'accord avec là-dessus, et il faut avoir un débat en France à dire dans l'immigration choisie, parce qu'il faut essayer de régler les problèmes de l'immigration forcée, mais dans l'immigration choisie, qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas? Et si je suis en minorité, que moi je dis il faudrait accepter ceci, cela, je ne suis pas pour toute l'immigration ouvrir tout, évidemment, c'est du n'importe quoi ça. Mais bref, si malgré tout mes idées sont mises en minorité, mais tant pis si on est dans une démocratie, ce qu'on n'est pas actuellement, par référendum, j'aurais été mis en minorité, ben voilà quoi, ça, c'est la majorité qui l'emportera. Et le contraire aussi, si c'est toi qui es mis en minorité, je ne sais pas quelles sont tes idées là-dessus, mais ben voilà quoi, d'accord ? Mais en tout cas, voilà, même d'un point de vue égoïste, il faut proposer à certains pays des échanges de connaissances techniques, peut-être contre des matières premières, etc. ou peu importe quoi, c'est à réfléchir, à discuter entre nous, afin d'assécher les raisons qui poussent certaines de ces jeunes, en général, parce que quand t'es jeune, tu as ta vie devant toi, tu as la force, tu veux bouger, quoi, de devoir quitter leur pays. Et dans ce cas-là, on réglera ce problème de France-Afrique, ce problème d'immigration, ce problème de guéguerre, de civilisation, soi-disant, etc. Chacun sera content chez soi, et comme tu le dis très justement, on pourra alors partir sur de bonnes bases. Et donc là-dessus, je te rejoins totalement, c'est ce que tu dis en fin de commentaire, être de bons voisins, et éventuellement faire de l'entraide si nécessaire. Et je pense que nécessité il y a sur la question migratoire. Voilà Ludovic, j'espère que ma réponse a été longue, mais j'espère que je t'ai répondu. J'espère que tu sens qu'il n'y a pas chez moi d'animosité ou je ne sais pas quoi, parce que ça serait contradictoire avec mon discours. Moi, je suis pour qu'il y ait un dialogue. Ma problématique première, c'est de faire de la France une démocratie. Donc ça veut bien dire qu'on a besoin de tout le monde et que tout le monde a le droit de s'exprimer, etc., même si je suis frontalement en désaccord avec des idées et tes idées. Je ne sais pas si c'est le cas, mais voilà, tu vois ce que je veux dire ? Voilà, je te remercie Ludovic, évidemment si encore une fois tu veux répondre, continuer à argumenter, bien sûr tu peux le faire, toujours dans le respect, mais je pense que tu l'as montré. Et même au-delà de ça, si tu veux qu'on enregistre une vidéo d'échange entre toi et moi, si tu veux garder l'anonymat, je flouterai ton image, il n'y a pas de problème, mais voilà, je suis même prêt à te proposer à ce que tu puisses, par le verbe, par la parole, au travers d'une vidéo que je mettrai en lien sur ma chaîne, exprimer tes points de vue, tes désaccords persistants s'il y en a, etc. D'accord ? Donc voilà, je suis vraiment pour le dialogue, c'est ce que je voulais dire. Et maintenant, j'en passe aux commentaires nombreux de Mathéo. Mathéo, merci beaucoup pour ta patience. Bon, c'est la merde à retrouver, donc j'ai plutôt aller dans ma boîte mail. Donc, Mathéo, je t'ai répondu sur le paternalisme. Évidemment, je parlais de faire la révolution en France, hein, pas de que les Français aillent faire la révolution là-bas. Tu m'as répondu, mais apparemment, Facebook, en fait, tu veux dire YouTube, je pense, a supprimé ton post, et alors qu'il n'y avait rien d'insultant ou d'irrespectueux. Oui, ça, je te réponds à toi, Mathéo, mais je le dis aussi aux autres. Je sais pas pourquoi... YouTube supprime des trucs, alors que moi, je les reçois en mail, vos réponses, alors que quand je vais sur ma... Désolé, putain de téléphone qui se met en rideau à cause de la chaleur. Oui, donc moi, je reçois vos messages, mais je ne les trouve pas dans le back-office de YouTube. En tout cas, je les ai en message. Ce qui fait que des fois, je ne peux pas vous répondre, parce que comme votre message n'apparaît pas sur ma chaîne, je peux pas... J'ai personne à qui répondre, quoi. Même si moi, je poste un message... dans le vent, comme ça, votre nom n'apparaîtra pas et vous ne le verrez pas. Donc des fois, je suis dans l'impossibilité de répondre à certains et ça me gonfle. Mais en tout cas, voilà. Allez, donc je viens de perdre toute une demi-heure d'enregistrement parce que j'avais pas vu que le téléphone s'était mis en rideau alors que je continue à parler. Bref, je recommence. Donc l'un des premiers messages de Mathéo. Mathéo, tu dis « Nous sommes allés en Afrique pour faire du commerce et pratiquer la traite négrière avec les royaumes africains. » Je vais commencer par répondre à ça. Quand tu rajoutes « royaume africain », j'ai l'impression que tu essayes de diminuer la responsabilité française en la partageant avec une partie des Africains, les royaumes africains, c'est-à-dire leur oligarchie à eux. Effectivement, les Africains aussi ont une responsabilité dans la traite négrière, surtout qu'ils avaient même entre eux des esclaves, d'accord ?
Mais ça n'enlève en rien la responsabilité des Français. C'est pas parce qu'elle est partagée entre eux, ça c'est leur problématique à eux, d'accord ? C'est pas parce qu'on trouve des méchants dans d'autres peuples avec lesquels on peut commercer leurs propres gens que du coup ça nous déresponsabilise. La responsabilité, elle reste pleine et entière pour nous et pleine et entière de leur côté. Chacun a sa responsabilité, mais la nôtre, elle est effective. Je continue à tenir. Puis nous avons colonisé l'Afrique pour en exploiter les matières premières, mais aussi pour apporter aux Africains nos religions, les bienfaits de la science, la médecine, l'hygiène, l'éducation, la philosophie et toutes ces choses inventées par les Blancs que tous les Africains utilisent aujourd'hui. L'électricité, la voiture, la radio, le téléphone, le football, etc. Alors arrête d'être complexé. Alors je vais répondre aussi à ça. En réalité, les colons français à l'époque n'ont pas apporté aux Africains la technologie. Je mets tout ce que tu as dit dans le terme de technologie, mais tu me comprends. On n'a pas apporté ça aux Africains. Non, on s'est apporté ça nous-mêmes, à nous, colons. Parce qu'on l'avait chez nous, on a un standard de vie chez nous. Et donc quand on va coloniser un nouveau territoire, on veut avoir ce même standard de vie, d'accord ? Donc c'est faux de dire qu'on a apporté ça aux Africains. Il s'est trouvé que par voie de conséquence, les Africains qui, sous la colonie, étaient nos serviteurs, en ont bénéficié d'une certaine façon, et encore pas tous. Ceux qui nous servaient, oui, mais le reste de la population, quand la médecine occidentale est arrivée avec la colonisation, il y avait encore plein de gens qui n'en bénéficiaient pas de cette médecine. C'est pas quelque chose qu'on a apporté volontairement au peuple africain par générosité. C'est quelque chose qu'on s'est apporté, nous, colons, et par voie de conséquence, ça a profité à certains seulement africains, pour le dire en bref. Pour tordre le cou à cet argument qui revient incessamment. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais je crois que c'était l'année dernière, ça a fait un gros bruit ici au Japon. Pareil, les Japonais, enfin certains nationalistes japonais, je suis désolé, mais c'est comme ça qu'ils sont qualifiés ici, revenaient sur le fait que pendant la Seconde Guerre mondiale, un peu avant et puis pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon a envahi la Chine, et donc les nostalgiques de cette époque-là, ils disent « oui, mais on leur a apporté le train ». Pas du tout. Pourquoi est-ce que les Japonais ont fait construire à marche forcée par des Chinois qui étaient traités comme de la merde, des voies ferrées? C'est parce qu'ils avaient besoin, eux, d'acheminer les marchandises qu'ils pillaient, faire déplacer les populations, etc. Donc c'est effectivement... Quand la colonisation s'est terminée, que les Chinois se sont libérés de la présence des Japonais, ils ont conservé cette technologie, ils seraient bien cons, mais les Japonais n'ont pas apporté la technologie à la Chine. Ça, c'est le discours qui réécrit l'histoire. Donc de la même façon avec les colonies françaises. Et puis aussi sur le fait que tu dis « arrête d'être décomplexé », mais moi, j'ai absolument aucun complexe. Au contraire, je m'insurge. Je suis pas dans une position victimaire, je suis dans une position proactive, d'accord ? Et donc, je m'insurge sur notre passé colonial. On peut pas le changer, évidemment, mais il faut comprendre qu'il laisse des traces à long terme, traces qui ont encore des conséquences aujourd'hui. Ça, tant qu'on ne le niera, c'est la perpétuation. C'est comme quand une victime d'agression ou de viol, etc., on nie, mais non, en fait, tu l'as bien cherché, tu as bien voulu, eh bien, le traumatisme est doublé et hyper dur, d'accord ? On reconnaît pas la victime dans son statut de victime, d'agressé, d'accord ? Donc ça, il faut reconnaître, comprendre qu'il y a des effets à long terme, encore aujourd'hui, alors que ça date d'il y a longtemps, il y a encore des effets, et puis comprendre qu'il faut, à un moment donné, avoir un dialogue serein pour pouvoir essayer de dépasser au mieux. Quand on reconnaît à la victime, et oui, effectivement, vous avez été violé, etc., c'est pas tolérable, c'est déjà une étape, ça guérit pas, mais c'est déjà une étape vers du mieux, d'accord ? Donc je n'ai pas aucun complexe, je ne suis pas du tout victimaire, je ne dis pas que la France doit battre sa coupe, etc. Je dis que la France doit être responsable. Le peuple français doit être responsable et se libérer de son oligarchie, et le peuple doit être responsable de son histoire, même si c'était nos ancêtres et une certaine partie de nos ancêtres. En tout cas, voilà, il faut faire notre autocritique et dire ben, « ça, ça a été bien, ça, c'était pas bien », et faire... les excuses nécessaires, ou enfin, je sais pas ce qu'il faut faire, mais voilà, en tout cas, faire les choses nécessaires pour essayer de dépasser les erreurs du passé. Reconnaître nos erreurs, c'est pas être complexé ou battre sa coupe, hein, c'est simplement être responsable de ses actes. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Après, tu continues en disant « Je suis contre la France-Afrique. La France ne doit plus envoyer ses militaires en Afrique. Qu'ils se démerdent avec leurs djihadistes. » Alors là-dessus, que tu sois contre la France-Afrique, très bien, ça fait un point commun. Mais la France-Afrique, ce n'est pas simplement d'envoyer des soldats de l'armée française en Afrique. C'est pas seulement ça, la France-Afrique. La France-Afrique, c'est surtout de piller les ressources des Africains sous couvert de commerce et de trucs comme ça.
Donc moi aussi, je ne suis pas pour qu'on envoie nos soldats à tort et à travers en Afrique. Moi, je suis pour qu'on propose notre soutien logistique et militaire aux peuples africains. S'ils acceptent, eh bien, on y va. S'ils ne le veulent pas, on n'y va pas. On ne va pas s'imposer là-dessus. Ensuite, sur le qu'ils se démerdent avec leurs djihadistes, ça, en fait, ce n'est pas une réflexion, un raisonnement poussé, à mon avis. Pourquoi ? Parce que si on les laisse, comme tu dis, se démerder avec leurs djihadistes et qu'il se trouve que les djihadistes, qu'en réalité, une partie de l'Occident, je parle des États-Unis en particulier, ont contribué à créer, parce qu'on sait que la CIA a entraîné, etc., blabla, la vente d'armes aussi, etc., etc. Donc on a contribué à l'émergence de ce problème. Mais si, maintenant qu'on a foutu la merde, on dit ben, « débrouillez-vous avec, nous on s'en dépatouille », la réalité c'est que ces forces-là risquent de prendre le pouvoir dans ces pays-là, et donc de décupler leurs forces, parce qu'elles vont mettre aussi la main sur les ressources, et donc là ils vont prendre la confiance, et qu'est-ce que c'est qui va les arrêter pour aller au-delà des frontières et venir nous faire chier ici en Europe ? Donc non, quelque chose qui est logique, même d'un point de vue égoïste, c'est d'aider ces pays-là à éradiquer, s'ils le veulent, à éradiquer... les djihadistes, etc. Alors, éradiquer, c'est pas seulement militaire, hein, c'est aussi par de la politique, de la stabilisation de ces sociétés et ces choses-là. S'ils le veulent, je répète. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue égoïste, eh bien, ça va faire que les djihadistes ne vont pas se multiplier et ne risquent pas de venir jusque chez nous. Enfin, en tout cas, ça contribue à éviter cela. Donc on peut pas simplement dire « démerdez-vous avec les djihadistes », me semble-t-il. Ensuite, tu continues. « La France n'a pas besoin de l'Afrique ». Ils sont incapables d'exploiter eux-mêmes leurs ressources minières, c'est pourquoi nous sommes obligés de le faire à leur place. Mais nous pouvons acheter ces ressources ailleurs, et je ne suis pas sûr que cela coûterait beaucoup plus cher, car l'OPEX coûte extrêmement cher. Je pense avoir répondu à tes questions respectueusement, cordialement. Oui, effectivement, tu as répondu à mes questions très respectueusement et de façon argumentée, donc ça, Mathéo, je te remercie. Mais donc, sur la dernière partie de ce premier commentaire que tu me fais, renseigne-toi parce que tu verras que le sous-sol africain est très riche en diamants, en minerais, en uranium, notamment au Niger, en nickel, enfin en tout un tas de choses. Raison pour laquelle, justement, il y a de la surexploitation de nos oligarques là-bas. Et à mon avis, ça coûte moins cher qu'ailleurs. Pourquoi ? Parce que justement, on fait travailler des enfants dans des mines, on fait travailler des gens sans droit du travail, sans protection, quand ils crèvent, et il y en aura d'autres derrière, etc. Donc c'est aussi une façon de réduire les coûts, d'accord ? Donc on a besoin, en réalité, des ressources minières de l'Afrique, parce qu'elles sont concentrées là-bas, il y en a d'autres ailleurs, mais en moins grande quantité, ça fait élever les prix, etc. Et puis comme ce sont dans des pays plus organisés, on va dire, eh bien, ils sont pas cons, ils élèvent les coûts, alors que voilà, si on va en Afrique, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est moins cher et qu'il y en a beaucoup, c'est cette raison. Alors, on pourrait s'en passer, on pourrait dire, ben, des diamants, tant pis, hein, on offrira moins de diamants à nos femmes quand elles veulent avoir des alliances avec des diamants, on fera moins de technologies qui dépendent du nickel ou de je sais pas quoi. On pourrait, mais à mon avis, je ne suis pas sûr si on a vraiment envie de le faire. Donc, d'une certaine façon, on a besoin de l'Afrique. Mais au lieu de l'exploiter comme les oligarques le font actuellement, il faut trouver des deals gagnant-gagnant. On fait des échanges avec vous, vous n'avez pas la technologie pour exploiter ou l'organisation ou ceci ou cela, eh bien on fait des échanges de cette technologie, on vous apprend comment le faire, etc. En retour de quoi, on bénéficie d'une partie de ces extractions. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça règle le problème de la France-Afrique, l'Afrique est indépendante de la France, il s'agit simplement de transferts de technologies, de compétences, etc. Donc ça stabilise les pays africains concernés, ça leur permet de se développer, donc ça veut dire quoi ? C'est que ça tarit les causes de l'immigration, parce que les gens se cassent de leur pays, alors que certainement ils voudraient bien y rester. Pourquoi ? Parce que c'est la galère pour vivre, quoi. Donc, par cet échange de coopération, si on veut, c'est gagnant-gagnant. Moins d'immigration, peut-être une meilleure immigration, en termes de qualité, si je peux parler comme ça, c'est-à-dire d'immigration choisie et pas forcée. On trouve de l'éthique dans le fait d'extraire et de recevoir les ressources africaines, parce qu'on le fait en bonne intelligence et au profit aussi des Africains. Donc voilà, sur cette histoire de « on n'a pas besoin de l'Afrique », je pense pas. En réalité, pas seulement de l'Afrique d'ailleurs, les Français ont besoin des Américains, de ceci, etc., comme les Américains ont besoin des Français, comme enfin, on a tous besoin les uns des autres, parce que l'intelligence collective, elle est partagée, l'intelligence collective ou les ressources, etc., tout ce dont l'humanité a besoin dans son ensemble, et partagé comme ça à travers l'humanité. Donc il faut de la coopération. Ça a l'air d'être neuneux, mais en réalité, c'est juste pratique ce que je raconte. Ensuite, je lis ton deuxième poste.
Je suis entièrement d'accord avec Zemmour. Il y a deux sortes de peuples, ceux qui, comme les Japonais et les Allemands après la guerre, se relèvent et se battent pour reconstruire leur pays, et il y a ceux qui, 60 ans après leur accès à l'indépendance, sont toujours là à chialer et à dire que tous leurs malheurs viennent des méchants blancs. Les plus grands ennemis des Africains sont les Africains. Eux-mêmes se placent dans une position d'infériorité. Ce sont eux qui perpétuent la colonisation en pensant que tout ce qui peut leur arriver de bien ou de mal ne peut venir que du maître blanc. Quand l'Afrique aura compris ça, elle aura fait un grand pas en avant. Et toi, si tu ne l'as pas compris, c'est parce que tu culpabilises pour la colonisation et l'esclavagisme, et donc tu te soumets à cette idéologie décolonialiste et indigéniste. Alors, je te ferai la même réponse que j'ai fait à Ludo, donc je ne sais pas si tu l'as écouté, mais de rendre responsables les Africains du marasme, de rendre seuls responsables les Africains du marasme dans lequel ils sont, je répète, je fais une généralité, hein. Je dis les Africains, mais dans les pays africains, ils ne sont pas tous dans le marasme, et qu'est-ce que ça veut dire marasme, etc. Mais je simplifie, tu m'as compris quoi. C'est occulter, mutiler, comme je le disais dans la vidéo précédente, une partie de la réalité. Parce qu'en réalité, ce sont nos oligarques aussi qui maintiennent, par la corruption et par l'exploitation vile des ressources africaines, qui maintiennent ces pays dans ce marasme. Ton discours tiendrait, me semble-t-il, si effectivement la France arrêtait tout échange, quand je dis échange, tout pillage de l'Afrique, et là, qu'ils se démerdent, et voir s'ils arrivent à s'en sortir. Là, on pourrait voir. Mais là, en réalité, les faits, c'est qu'il y a des influences extérieures qui viennent corrompre les élites, élites entre guillemets, pour pouvoir exploiter pour eux seuls, eux, c'est l'Occident, au travers des oligarchies, Bolloré et compagnie, parce que l'exploitation de ces ressources ne bénéficie absolument pas aux populations locales. Donc effectivement, les Africains ont une part de responsabilité dans le sens où ils doivent dégager leur oligarchie. Et nous avons une part de responsabilité envers l'Afrique dans le fait d'arrêter de laisser notre oligarchie aller foutre la merde là-bas. Donc de ne pas voter pour des Macron et des trucs comme ça. Donc il y a évidemment, et je ne la nie pas, une responsabilité des Africains, si je dois simplifier la chose comme ça, et il y a aussi une co-responsabilité des Français. Chacun, chez soi, doit dégager l'oligarchie, parce que c'est les putains d'oligarchie, c'est elle qui fout de la merde à travers les pays. Et je suis d'accord avec toi, il y a une partie des Africains qui se complaisent dans un discours victimaire, parce que c'est plus facile. Mais ce n'est pas tous les Africains, et ça ne doit pas occulter aussi le fait que la France, à travers de ses oligarques, etc., de sa politique de France-Afrique, etc., a aussi une part de responsabilité là-dedans. Après aussi, il y a une chose, c'est que tu dis les Japonais et les Allemands ont réussi à faire les efforts pour se sortir de la situation dans laquelle ils étaient après la Seconde Guerre mondiale. Bon, d'accord. Différentes cultures, différents peuples, différents traits généraux, même si dans le détail, après, il y a de la nuance à apporter au niveau des individus. D'accord, ça je suis capable de l'admettre. Donc tu vois, je fais un pas vers toi. Mais il faut comprendre aussi que les situations de ces pays aussi ont joué un rôle important dans le développement d'après-guerre, d'accord? C'est-à-dire que les Japonais ont été aussi soutenus par les Américains. Pourquoi? Parce que les Américains voulaient avoir un allié dans cette zone du monde face à la Chine qui était potentiellement, pas encore à ce moment-là, mais potentiellement, du fait de sa taille et de son nombre, un ennemi, et de sa philosophie soi-disant communiste, un ennemi du soi-disant libéralisme américain. Donc en réalité, même si évidemment je ne nie pas l'effort et la structuration de la société japonaise, évidemment je le reconnais, mais il y a aussi la compréhension du fait qu'il y a eu les Américains derrière pour soutenir, pour aider, etc., et aussi pour développer leur commerce. C'était à la fois stratégique au point de vue militaire ou culturel de la domination, culturelle, pas de domination, mais de l'échiquier, quoi. Et puis aussi le fait de pouvoir faire commerce avec ce pays qui, avant la Seconde Guerre mondiale, a montré sa grande capacité de technologique, de développement technologique. Donc ce que je veux dire, c'est pas du seul fait du peuple japonais, il y a cette partie-là, mais aussi c'est aussi un contexte politique qui a aussi permis ceci. Alors que le contexte politique en Afrique, il est autre, parce qu'on ne veut pas que ces pays puissent se structurer, parce qu'alors ils pourraient avoir un meilleur contrôle, une meilleure mainmise sur leurs propres ressources. Ça voudrait dire des prix plus chers, ça voudrait dire aussi peut-être des réductions de ces ressources
pour les autres pays, parce que les pays africains en auraient besoin et les utiliseraient. Donc il y a eu un maintien de ces pays-là dans ce marasme jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir plus facilement exploiter leurs ressources sans qu'ils puissent avoir véritablement leur mot à dire là-dessus. Donc évidemment que les Africains ont aussi leurs responsabilités, je le répète, évidemment que les Japonais ont aussi leurs responsabilités, évidemment que les Français ont aussi leurs responsabilités, on a chacun sa part de responsabilité, je ne le nie pas, mais je ne veux pas non plus tomber dans la caricature. Vous êtes dans cette situation uniquement à cause de vous, en niant toutes les autres réalités de domination extérieure, etc. Et surtout qu'on le voit aussi en Europe et en France, on voit bien aussi qu'on est à la botte des Américains parce qu'on est dans l'OTAN, on est à la botte d'une certaine oligarchie européenne à cause de la monnaie ou des politiques, etc. Enfin, toutes ces choses, d'accord ? Donc, pour nous concentrer uniquement sur l'Europe occidentale, si je dois parler comme vous, il y a une double responsabilité du peuple français à à dégager l'oligarchie, mais aussi une responsabilité de l'oligarchie française et européenne et américaine, etc., de maintenir le système qui fait que c'est difficile de se défaire de ces oligarchies. Il n'y a pas de blanc-noir, c'est comme ci ou comme ça, il y a tout un tas de vecteurs qui viennent jouer là-dedans et il ne faut pas l'ignorer. Surtout que si on l'ignore, ça nous empêche justement, et c'est là le cœur du problème, c'est ce que j'essaie de dire à Ludo, ça nous empêche de véritablement voir les causes derrière les conséquences et de s'attaquer aux causes des causes, d'accord ? Aux causes premières qui entraînent des conséquences, conséquences que sont une certaine immigration, un certain ressentiment de peuple africain envers la France, etc., etc. Ça, ce sont des conséquences en réalité. Ensuite, quand tu dis aussi que les Africains croient que tout ce qu'il y a de bon ou de mauvais vient du maître blanc. Alors je pense qu'il faut nuancer ceci, mais il y a certainement peut-être une part de responsabilité, parce que pendant très longtemps, la situation a été de domination. Donc si tu veux, là je suis en train de me replonger dans la pédocriminalité, et on voit que quand un traumatisme a perduré de génération en génération, ça crée dans le cerveau un changement, d'accord ? Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça fait des gens des victimes par construction, comme ça. Donc peut-être qu'à l'échelle d'un peuple, donc là, au niveau de la pédocriminalité, il s'agit d'individus, des victimes de ces réseaux-là, mais peut-être aussi qu'au niveau d'une population en entier, ou de plusieurs populations, d'avoir vécu des siècles de domination, eh bien, a laissé des traces aussi. On peut peut-être l'imaginer, ce genre de choses. Alors, ça ne veut pas dire que peu cher, ce sont des pauvres victimes, etc. Mais c'est un des facteurs, peut-être, qui peut aussi expliquer le discours de certains, parce que ce n'est pas tous les Africains, qui sont dans la complaisance. Enfin, il y a aussi une facilité, hein, je le reconnais bien là-dessus, de victimisation et de croire que l'homme blanc est peut-être plus à même d'apporter des changements. Je ne sais pas. Donc, ce que je veux dire, voilà, c'est qu'il y a aussi d'autres conséquences qu'on ne connaît pas forcément du fait de l'histoire de l'humanité. Mais évidemment, je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que quand l'Afrique aura compris qu'elle est responsable, on schématise, hein, toi et moi, qu'elle est responsable de son destin, évidemment, elle fera un grand pas. Pareil pour les Français, etc. Et après, quand tu termines en disant que si moi j'ai pas compris et que je culpabilise par rapport à la colonisation et l'esclavagisme, c'est que je me soumets à l'idéologie décolonialiste et indigéniste, alors là tu dis deux choses différentes. Premièrement, je suis pas... c'est quoi le même terme ? Je me sens pas coupable, je me sens responsable. C'est pas pareil. Ceux qui sont coupables, ce sont nos ancêtres qui ont effectivement fait la traite négrière, etc. Eux, ils sont coupables de ça. Mais moi, en tant que fils spirituel, enfin ligné de Français, je me sens responsable de notre passé. Ça serait facile de dire « bah ben, ça c'est eux qui l'ont fait, moi j'étais pas né, etc., je suis responsable de rien ». Mais non, nous sommes un peuple dans une histoire, dans une continuité, et ça aussi il me semble que c'est quelque chose que dit Zemmour. Donc ce passé-là, il faut ce passé glorieux et ce passé noir, parce que c'est pas que du noir et c'est pas que du glorieux, il faut le reconnaître, le prendre dans son entièreté et pouvoir faire son autocritique en tant qu'homme, en tant qu'adulte responsable, d'accord ? C'est ça mon discours. C'est pas un discours de culpabilité, c'est un discours de raison, de responsabilité. Et ensuite, tu dis donc colonisation esclavagiste et je me soumets à cette idéologie décolonialiste et indigéniste. Alors, oui, je critique la colonisation, oui, je critique l'esclavage, ça c'est une évidence. Est-ce que je me retrouve dans une certaine idéologie décolonialiste ? Alors je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est qu'une idéologie décolonialiste, mais en tout cas, oui, moi je suis contre toute colonisation, ça c'est certain.
Mais indigéniste, par contre, ça, je sais pas ce que ça veut dire. Si ça veut dire que chaque population a le droit à l'émancipation, alors si c'est ça l'indigénisme, je suis indigéniste. Si ça veut dire autre chose, il faut m'expliquer ce que ça veut dire, parce que moi, en tout cas, je ne me revendique pas de l'indigénisme, étant donné que je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je me revendique de la responsabilité des Français de reconnaître leurs torts pour que les victimes soient reconnues en tant que victimes et qu'on puisse travailler main dans la main à dépasser toute cette lourdeur de l'histoire. Voilà pour ceci. Et j'arrive enfin à ton dernier commentaire, qui est plus court. J'ai vu ton Vive la France. Oui, parce que j'ai dit à Mathéo, qui disait que j'étais pas fier de notre histoire, de mon pays, etc. Je lui disais que ça m'étonnerait, parce que je termine toutes mes vidéos par Vive la France. Donc il l'a vu après, et donc tu me réponds comme ceci, Mathéo. J'ai vu ton Vive la France, mais je ne le comprends pas, étant donné que tu défends des idées mortifères pour notre pays. Alors, c'est ce que je viens de dire. Être responsable en tant que représentant d'un peuple, ici je parle de la France, dans l'histoire longue, dans les bonnes choses et dans les mauvaises choses que l'on a fait, ce ne sont pas des idées mortifères. Au contraire, il me semble que ce sont des idées responsables. On devient adulte, on devient responsable, on s'émancipe quand on prend la charge de ses responsabilités. La colonisation, on l'a fait. La traître négrière, tu le dis toi aussi, on l'a fait. Donc on est bien responsable de ces choses-là. Mais nous, notre génération, nous ne sommes pas coupables. C'est là la différence. Responsable, mais pas coupable. Donc en tant que responsable, la responsabilité, c'est faire face. Qu'est-ce qu'on a fait dans l'histoire? On a fait ces choses. On ne va pas le nier. C'est vrai. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était mal? Non, c'était mal. Oui, il y a eu des conséquences positives, mais qui n'étaient pas des conséquences voulues. Quand tu dis on a apporté telle et telle technologie, entre parenthèses, tu dis qu'on a apporté la religion. Ça, en fait, c'est ce que certains critiquent en disant que l'islam vient remplacer la culture française. Ben non, alors on pourrait dire pareil. Mais non, en fait, ils nous apportent le bienfait de leur religion. Non. Donc, quand on leur a porté la religion, c'est une colonisation par la culture, d'accord ? J'avais oublié de réagir là-dessus. Mais donc, pour revenir à ça, oui, moi, je suis français, fier de l'être. Partout où j'ai habité à travers le monde, j'ai habité en Australie, j'ai habité en Angleterre, j'habite aujourd'hui au Japon, j'ai habité en Allemagne, j'ai habité en Belgique, j'ai habité au Luxembourg. Enfin, partout où j'ai habité dans le monde, j'étais fier d'être français et de porter les valeurs françaises à travers le monde parce que je suis un universaliste et que je suis fier que les Français ont écrit les droits de l'homme et du citoyen. Je sais, ils sont remis en cause, peut-être par toi aussi. Est-ce que tu vas me traiter de droit de l'hommiste? C'est une caricature. Non, moi, je suis fier de notre contribution à l'humanité par les droits de l'homme, et partout où je vais, je porte fièrement le fait d'être français. J'ai des polos, j'avais fait une marque avec le tricolore français, je les porte tous les jours. J'ai des baskets qui sont fabriquées en France, je les porte tous les jours, et qui ont les couleurs tricolores. Je porte fièrement les couleurs tricolores, haut et fort les valeurs de mon pays, que je répète à chaque fin de vidéo, ou presque, quand ça s'y prête. Et les idées que je défends ne sont pas mortifères de mon point de vue, elles sont responsables, responsabilisantes et en réalité émancipatrices si on les comprend bien. Voilà, en tout cas, Mathéo, encore une fois, même chose que pour Ludovic, j'ai des fois un ton un peu passionné, mais ça ne veut pas dire que je t'en veux ou que je t'attaque ou quoi que ce soit. Tu m'as respecté dans les commentaires que tu m'as fait, je te respecte aussi en retour et toi et moi, on est certainement passionnés par la façon dont on voit le monde. Donc, je termine en te remerciant toi aussi, Mathéo, pour l'échange qui s'est instauré. Évidemment, si tu veux continuer à répondre, tu peux le faire, et je serai heureux de continuer à discuter avec toi. Et je te fais la même proposition que pour Ludovic. Si tu as envie, même sous couvert d'anonymat, d'échanger avec moi verbalement et qu'on en fasse une vidéo qui sera rendue publique pour que tu puisses verbalement, par la parole, exprimer tes idées, n'hésite pas à me le dire et on peut s'organiser ça, je ne sais pas parler. Et d'ailleurs, si tous les deux voulez qu'on fasse une discussion à trois, ça ne me dérange pas non plus. La porte est ouverte, je suis pour le dialogue, la discussion, pour qu'on puisse dépasser ce qui nous sépare, ce qui nous atomise les uns les autres, et qu'on puisse trouver momentanément, même s'il le faut, même si après il y aura des désaccords forts, mais momentanément notre force, c'est-à-dire l'union, pour pouvoir dégager ceux qui font véritablement chier, l'oligarchie en ce qui concerne la France, donc prendre le pouvoir politique. Le pouvoir politique, qu'est-ce que ça veut dire? Le pouvoir d'organiser la société. Donc tant qu'on n'a pas ce pouvoir, on va continuer à s'échanger comme ça, mais c'est aussi une bonne chose, ça permet de nous avancer, de nous faire avancer les uns les autres, et vous me faites avancer, je vous le dis. Mais en tout cas, la priorité, c'est de ne pas se laisser embarquer dans
dans des conflits de civilisation ou je sais pas quoi, alors qu'en réalité, on n'a absolument aucun pouvoir sur quoi que ce soit. La première des choses, quand on est responsable, quand on est logique, quand on est un homme, c'est de s'émanciper, de prendre ses responsabilités, la première desquelles, c'est l'autodétermination, le pouvoir politique. Voilà. Encore une fois, merci à tous les deux. Si vous ou si d'autres avez des commentaires à faire, toujours dans le respect s'il vous plaît, parce que le respect ça permet l'échange, pas de respect, pas d'échange, exprimez-vous. Comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays, liberté, égalité, fraternité, vive la France.